On ne nous dit pas tout. La ville de Rouen accordera le forfait communal suivant pour chaque enfant rouennais scolarisé donc à Saint-Paul, en maternelle donc 1 000 euros et en élémentaire 600 euros. Sur la base des effectifs actuels, la hausse de financement liée au forfait communal est estimée à 48 510 euros à la charge de la ville de Rouen pour cette année scolaire par rapport à l'année dernière, passant de 98 490 à 147 000, soit une augmentation à l'ordre de 49%. Le forfait communal par élève est égal au coût moyen par élève de maternelle et d'élémentaire constaté dans les écoles publiques de la ville. Le GEC s'engage à baisser la participation financière annuelle des familles rouennaises de 10%. Oui, juste pour dire que je ne comprends pas vraiment la question de M. Besson, puisqu'en commission éducation, nous sommes rentrés dans le détail et on a expliqué. Donc je l'invite à relire le compte-rendu de la commission quand il lui sera adressé, lorsque les services auront fini de le rédiger. J'ai juste une question en ce qui concerne la demande qu'on avait formulée au conseil municipal la dernière fois, puis reformulée ensuite par le biais d'un courrier en ce qui concerne les méthodologies de calcul des forfaits en ce qui concerne l'école Saint-Paul. À ce jour, on n'a pas reçu le détail de vos calculs et nous souhaiterions du coup savoir dans quel délai on peut compter dessus, dans la mesure où c'est des documents qui ont déjà été produits et que les services sont déjà calculés. Il s'agit simplement de nous les transmettre, on voudrait savoir quand est-ce qu'on peut compter dessus. Je vous remercie. Nous sommes toujours en discussion avec en particulier Saint-Paul sur le sujet. Donc quand ça sera validé par l'établissement et par la municipalité, vous en serez informé. Et pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Mais on l'a délibéré déjà. On a délibéré sur un principe d'une convention. Et d'ailleurs, je pense qu'en janvier, nous allons annuler cette délibération et revenir sur une autre délibération. Mais oui, pardon, mais je ne comprends pas. Enfin, les calculs que vous avez utilisés pour arriver au forfait maternel et élémentaire, s'ils sont faits, pourquoi ne pas nous en donner l'accès maintenant pour qu'on puisse comprendre comment vous avez calculé ? Parce qu'on est en train de finaliser tout cela. On a fait une évaluation qui était une évaluation forfaitaire et on essaye de l'affiner le plus possible. Vous aviez fait une évaluation forfaitaire. Oui. Pas basée sur les calculs. Bien évidemment en partie, mais après, je veux dire, on ne va pas non plus mettre des virgules à tour de bras, quoi. On ne nous dit pas tout.